Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau micro trottoir. Cette fois-ci nous allons arpenter les rues pour poser les questions à des passants au sujet du paranormal à l'occasion des fêtes d'Halloween. Donc du coup, nous allons voir un petit peu leur avis au sujet de leurs croyances et au sujet s'ils ont vécu des petites expériences. Donc voilà, nous allons checker tout ça. Donc allez, c'est parti. N'oubliez pas de lâcher un gros like des familles, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager un maximum la vidéo. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller également sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir ça dans la description. Facebook, Twitter, Insta, Snap. Hein, d'ailleurs, Snap. Tout est dans la description. Je vous laisse checker ça. En attendant, je vous dis bonne vidéo. Ciao, ciao. Peace. Croyez-vous au paranormal ? Au paranormal, oui. Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Avez-vous déjà vécu une expérience dans ce domaine-là ? Personnellement, non. J'ai déjà entendu des histoires de personnes proches qui ont vécu des choses, de fantômes, qui auraient vu des ovnis, des choses comme ça, oui, bien sûr. Comment se manifesterait-il ? De plusieurs façons, à ce que j'ai entendu, mais après, j'ai pas tellement de détails. Croyez-vous au paranormal ? Non, pas du tout. non, j'ai jamais cru à cette chose-là, donc non, j'y crois pas du tout. Donc vous pensez qu'il n'y aurait pas de forme de manifestation qui pourrait exister ? Non, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait découvrir si le paranormal existe vraiment ou pas, quoi. Mais pour l'instant, moi, ça m'a jamais... J'ai jamais cru et non, je pense pas. Croyez-vous au paranormal ? Oui. Avez-vous déjà vécu une expérience à ce sujet-là, des manifestations ou autre ? Oui, j'ai déjà vécu des choses que je pensais qui m'étaient déjà arrivées auparavant. Voilà, c'est pour ça. Je pense que l'homme commande pas tout, quoi. Voilà, il y a des choses qui se font, et puis voilà. Croyez-vous au paranormal ? Ouais. Enfin... C'est pas facile à répondre là. Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Si... Est-ce que vous avez déjà vécu vous-même des expériences personnelles au sujet de manifestations ou autres à ce niveau-là ? Non. Non, pas moi. Ou des connaissances ? Des connaissances, ouais. Quel type de manifestations ? Bah, genre des trucs bizarres. Je sais pas comment vous dire. Genre, bah, truc bizarre, quoi. Croyez-vous au paranormal ? Oui, ça peut... Oui, je peux y croire à certaines choses. Après, il faut... Je reste assez ouvert, on va dire. Bon. Voilà. Oui, moi, j'y crois. J'ai plus ou moins vécu. J'ai mon parrain qui jouait avec les esprits quand il était plus jeune. Et un jour, il a croisé une dame qui l'a accrochée dans la rue en lui disant qu'il avait trop joué avec le diable et qu'il aurait un accident plus tard. Il s'est retrouvé tétraplégique. Donc bon, bah, je pense que ça peut en faire partie. Croyez-vous au paranormal ? Non. Non, non. Croyez-vous au paranormal ? Non. Croyez-vous au paranormal ? Oui, un petit peu, oui. Avez-vous déjà vécu des expériences, des phénomènes inexplicables ou autres ? En étant jeune, un peu, on a essayé quelques trucs. Ça n'a pas trop marché, mais j'en y crois toujours. Quel type de jeu ? C'était dans le noir, appeler les esprits, des trucs comme ça. Puis voilà. Avez-vous des manifestations ou autres ? Non, mais on a eu un truc, une porte qui s'est claquée, qui s'est fermée. On ne sait pas si c'est le vent ou un truc qui s'est vraiment passé. Croyez-vous paranormal ? Oui, oui, j'y crois franchement. Je regarde des séries, des films sur ça. Je crois qu'il y a une autre vie en dehors de la Terre. La série X-Files le montre. J'adore cette série, donc oui, je crois au paranormal. Voilà, je suis ouvert d'esprit. Avez-vous déjà vécu une expérience à ce sujet-là ? Non, j'en ai pas vécu, mais ça serait intéressant pour moi d'en vivre une. Même si c'est un peu flippant et tout, j'aimerais bien en vivre une.
pour voir ce que ça fait. Croyez-vous au paranormal ? Ouais. Avez-vous déjà vécu des expériences à ce sujet ou des personnes qui vous auraient éventuellement raconté J'ai fait séance de spiritisme étant jeune. Oui, c'est passé quelque chose en effet, oui. Quel type de manifestation ? On était 8, il devait arriver un accident l'un d'entre nous et c'est tombé sur moi le lendemain. Donc voilà, accident de scooter. Accident de scooter, ça s'est passé le lendemain. Le lendemain après-midi. C'est tombé sur moi. Ça devait arriver sur quelqu'un, c'était désigné, c'était moi. Mais voilà, c'est la seule chose jusqu'à présent où il arrivait quelque chose.